Gloire à Dieu. Je prie que vous ne chutiez pas, que vous n'échouiez pas et que vous ne dormiez pas pour tomber du rocher solide au nom de Jésus-Christ. Et en te remerciant pour ce jour de joie, jour d'allégresse, jour de satisfaction, jour de la réassurance. Ainsi nous prions que chacun de nous, ici au-dedans, là au-dehors, partout, comme nous écoutons ta parole ce jour, nous demandons Seigneur que tu établisses chacun. Je prie Seigneur que tous ceux qui vacillent, tous ceux qui sont rendus amovibles par les circonstances de la vie, aident tout le monde à être bien établi sur le roc antique au nom de Jésus-Christ. Parle à tout cœur maintenant. Et Seigneur, nous prions que tu nous fortifies par ta parole que tu nous adresses ce jour. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons voir les psaumes. Psaume 61, psaume 62. Et psaume 63. Et que vous voyez psaume 61, verset 2. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Verset 3, le second. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Psaume 62, verset 3. Oui, c'est lui qui est mon rocher. Ce Dieu, le Dieu éternel. Oui, c'est lui qui est mon rocher, qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Verset 8. Si Dieu est mon salut et ma gloire, voici sur Dieu. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Psaume 63. Psaume 63. Voilà le verset 3 qui dit ici, verset 4, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté, ta miséricorde, ton affection, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Aujourd'hui, nous allons voir ces psaumes. Nous avons comme titre qui est l'élévation des croyants à un niveau plus haut pour la gloire de Dieu. Le croyant, celui qui croit au Seigneur, et le psalmiste utilise la confiance. Tu as la confiance en lui, il est ton sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre, mais en ce Christ, le roche, le roc, le rocher des âges. Tu as confiance en lui, tu crois, tu es croyant. Et tu crois maintenant et tu continues de croire, quelles que soient les circonstances qui t'adviennent. Tu es toujours croyant, au-dedans, dans ton cœur, sur tes genoux, tu es croyant. Il y a une élévation, il t'élève. Tu pourrais être dans la vallée, il va t'élever, quelle que soit la détresse dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Et à tout moment, le Seigneur va te relever au nom de Jésus-Christ. Et il va t'élever à un niveau plus élevé. David, qui a écrit ce psaume et qui a prié avec ce psaume, s'est vu dans la vallée de découragement. Et puis, il est venu au rocher. Il est venu au rocher. Il a été élevé à un niveau plus haut. C'était sa prière à tout moment. Ce doit être votre prière à tout moment, quel que soit le niveau de bénédiction que vous avez, quelle que soit la joie,
la satisfaction que vous avez dans le Seigneur, alors vous devez toujours dire, Seigneur, conduis-moi au rocher que je ne puisse atteindre. Et c'est dit, lorsque cela se produit et que cela continue de se produire, tu vas louer le Seigneur, tu vas glorifier le Seigneur, afin que toutes choses dans ta vie soient pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous voyons le message. L'élévation des croyants à un niveau plus haut pour la gloire de Dieu. Nous allons voir trois points dans le message. Premier point, comme nous voyons ce message, 1, 2, 3. Nous avons trois points que nous allons voir. Et les trois points, numéro 1, notre supplication passionnée et notre poursuite du niveau plus haut. Lorsque mon cœur est abattu, lorsque les problèmes me submergent, lorsque les défis m'écrasent, conduis-moi au rocher que je ne puisse atteindre. Notre supplication, notre plaidoyer, notre poursuite, notre plaidoyer passionné et notre poursuite du niveau plus haut. 2. La possession personnelle de la puissance venant du Dieu très haut. Le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu qui nous amène dans son royaume, en sa présence, est le Dieu très haut. Plus élevé que tous les dieux de la terre, il est le Dieu vivant, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu omnipotent, il est le Dieu omniprésent. Et où que vous vous trouvez, ce Dieu est toujours là. Et quels que soient les problèmes ou les défis auxquels vous êtes confrontés, ce Dieu est en mesure de résoudre le problème et vous donner la possession personnelle de la puissance venant du Père qui est au ciel, la puissance que vous avez, la puissance que vous possédez de façon personnelle de la part du Dieu Tout-Puissant. 3. Notre louange est perpétuelle. Partout, il y a quelque chose dans notre vie qui nous pousse à louer Dieu. Chaque jour, il y a quelque chose pour laquelle vous priez Dieu à tout moment, chaque jour, à tout moment dans votre vie et dans toutes les situations. Notre louange perpétuelle en progressant vers l'ultime meilleur. Cela veut dire que comme vous êtes venu au Seigneur et que le Seigneur est bon parce qu'il est bon et tu prends part à sa nature et toi aussi tu es bon et tu fais du bien. Et à chaque étape de la vie, tu es conduit, tu fais le progrès vers l'ultime meilleur. Et l'ultime meilleur que tu peux être dans la communauté autour de toi, pour ta famille et pour la communauté, pour la nation, nous avons notre louange perpétuelle avec le progrès ou en progressant vers l'ultime meilleur. Premier point. Nous avons notre premier point. C'est notre supplication ou notre plaidoyer passionné et notre poursuite du niveau plus élevé, plus haut. Si vous allez aller à un niveau plus haut, n'allez pas regarder en bas à tout moment, regarder la vallée à tout moment, regarder et considérer les échecs passés, considérer votre et déficience à tout moment. Il faut qu'il y ait un désir positif. Il faut qu'il y ait une passion positive que vous allez vouloir aller à un niveau plus élevé, que vous allez monter plus haut, que vous allez gravir un point culminant et à la décision que pourquoi je suis vivant, pourquoi je suis ici aujourd'hui, je suis ici ce jour parce que je vois quelque chose là en haut. Parce que je vois quelque chose de très grand, parce que je vois quelque chose au-delà de mes réalisations présentes et je vis cela, et je veux aller et je prie, je supplie passionnément, je poursuis passionnément ce niveau très haut. Vous y atteindrez au nom de Jésus-Christ. Vous ne serez pas à tout moment là où vous êtes présentement, mais le niveau élevé sera votre lieu. Le niveau élevé sera le lieu que vous allez vivre, que vous allez atteindre au nom de Jésus-Christ. Notre supplication passionnée et notre poursuite du niveau plus élevé. Psaume 61, verset 2. Ô Dieu, écoute mes cris,
Regardez le roi qui dit que je pleure, mais je crie pas à un homme, je crie à Dieu. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Et le verset 2, verset 3 dit, du bout de la terre, partout où je me trouve, Saül m'a chassé jusqu'à la fin de la terre. Les circonstances, les vents qui soufflent pourraient me pousser jusqu'au bout de la terre. De ce bout de la terre-là, je crie à toi. Comme Jonah a crié au Seigneur dans le ventre du poisson sous la mer, où que je me trouve, je crie à toi. Le cœur abattu, lorsque je ne sais pas quoi faire encore, lorsque cela paraît que les eaux du problème, les eaux des adversités m'ont submergé et je ne peux pas soulever ma tête, je ne peux plus lever ma tête lorsque je suis abattu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Maintenant, comment vous pensez à cette phrase? Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre. Comprenez, conduis-moi sur le rocher du Moïse que je ne puisse atteindre. Arrivé au Nouveau Testament, tous ces apôtres, lorsqu'ils prêchaient, ils prêchaient avant le Nouveau Testament était écrit. Avant que le Nouveau Testament ne soit écrit du Moïse, et tout ce qu'ils faisaient, partout qu'ils allaient, ils trouvaient Christ. Et voici maintenant, quand vous voyez le rocher, quand on voit 1 Corinthiens 10, 4, vous allez voir le rocher que le croyant du Nouveau Testament comprend, le rocher qui est plus élevé que moi, 1 Corinthiens 10, verset 4, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, faisant référence aux enfants d'Israël comme ils ont traversé le désert, l'eau était sortie du rocher, ces Israélites, 3 millions d'eux ou plus, tous buvaient à un rocher spirituel qui les suivit. Le rocher spirituel qui les suivit. Et ce rocher, tout le monde, dites-le-moi, dites-le à haute voix, ce rocher était Christ. Sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Christ est le rocher. Le rocher est Christ. L'eau était sortie du rocher pour eux. Conduis-moi sur le rocher que je ne puisse atteindre. Jésus-Christ, plus élevé que tous les rois de la terre. Jésus-Christ est le rocher plus élevé que tous les gouvernements du monde. Jésus-Christ est plus élevé que tous les fondateurs de religions dans le monde. Jésus-Christ est plus élevé que toute personne parce que le Père l'a désigné, que c'est en lui que toute la plénitude doit demeurer. Conduis-moi sur ce rocher. Il y a de l'eau qui sort du rocher, à l'eau du salut, parce que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, il vient, il nous dit que quiconque veut qu'il vienne prendre de l'eau de vie gratuitement. C'est de ce rocher que le Seigneur Jésus-Christ donne l'eau de vie. L'eau de vie sort de là, la vie éternelle provient de là. Et après cela, si tu as l'eau de vie, tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, tu ne t'arrêtes pas là-bas, tu dis « conduis-moi plus haut, parce qu'il va te purifier et les sanctifier par la purification, par le baptême d'eau. » Et la parole que je vous dis, c'est esprit et vie. Il est notre sanctificateur et c'est lui qui nous purifie, qui nous lave, qui nous épure. Après que nous sommes sauvés, conduis-moi sur le rocher que je ne puisse atteindre. Et après que vous aurez bu de l'eau de vie et que l'eau de purification et l'eau de sanctification, et puis dit que quiconque a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Comme le disent les Écritures, c'est de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Alors, il dit ceci au sujet de l'esprit
qui viendra sur ceux qui sont sauvés, sanctifiés. Et lorsque Jésus-Christ est glorifié, maintenant Jésus est maintenant glorifié. Et puis c'est pourquoi maintenant il a versé, répandu son esprit sur les gens. Vous recevrez le don du Saint-Esprit parce que la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que notre Dieu appelle. Il est, c'est l'eau qui représente là-bas la vie éternelle, la vie en abondance, la vie qui sanctifie, la vie qui purifie, la vie de puissance, la puissance du Saint-Esprit sur vous. C'est pourquoi à tout moment que tu viens au Seigneur, tu dis Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné, merci pour ce que j'ai, mais conduis-moi sur le rocher que je ne puisse atteindre. Voyons, psaume 81, verset 16. Je le nourrirai du meilleur froment. 17. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Conduis-moi sur le rocher après nous avoir satisfait du salut, l'eau de la sanctification et des fleuves d'eau provenant de notre cœur, du Saint-Esprit. Et maintenant, il y a maintenant la joie venant du rocher. Je vous donne ma joie, pas comme le monde, je vous donne ma joie, ma paix. Je vous dis ces choses pour que votre joie soit parfaite et que votre joie demeure comme vous venez au Seigneur et comme vous élevez, conduit au rocher qui est plus élevé que vous et dit que il vous donnera de l'eau du rocher, il vous donnera du miel du rocher. Votre vie ne sera plus la même au nom de Jésus-Christ. Revenons au psaume 61, versets 4 et 5. Psaume 61, versets 3 et 4. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Ce rocher est devenu votre protection, il est devenu votre sécurité. Et puis dit, il est une tour forte. Voyons, Proverbe 18, 10, une tour forte, c'est ce qu'est Jésus. Oui, le Seigneur est une tour forte, c'est ce qu'est votre Sauveur. Et Proverbe 18, verset 10, qui dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Il nous a donné ce nom et dit, quel que soit ce que tu demandes en mon nom, il est dans ta main, c'est ce que tu veux, c'est ton désir. C'est la promesse de Dieu qui devient pratique dans ta vie. Tout ce que tu demandes en mon nom, je le ferai. Et puis il dit, ces signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est en mon nom, c'est le nom qui est la tout forte en mon nom. Ils chasseront les démons et s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne fera pas du mal. Votre vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. J'ai dit, ma vie est sécurisée. Ma vie est protégée. Le nom que vous avez. Regardez Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Votre vie en sûreté. Votre vie est sécurisée. Et rien ne nuira à votre vie au nom de Jésus-Christ. Retournons au psaume 61, verset 6. Psaume 61, verset 6. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Vous avez un héritage. J'ai un héritage. Vous avez une possession. J'ai une possession. Les enfants de Jacob reprendront leur possession. Et les croyants en Christ, notre temps, notre heure sonne. Je dis, mon heure sonne. Vous allez posséder votre possession au nom de Jésus-Christ. Mais vous savez, vous ne pouvez pas venir à Dieu les mains vides. Tu dis, mais que je fais un vœu.
je donne ma vie. Il te demande, il te poursuit à tout moment, mon fils, donne-moi ton cœur. Et puis tu amènes ton cœur, tu amènes ta vie, tu amènes tout ce qui est en toi et tu l'offres au Seigneur, car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. C'est sur la base de cela que tu exauces mes vœux. Tu sais que je suis sincère, tu as vu mon engagement, ma consécration. Tu sais que c'est avec sincérité que je fais cela. C'est pourquoi tu me donnes maintenant l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Verset 9. Verset 9. Alors, je chanterai sans cesse ton nom. Jusqu'à quand allez-vous chanter à l'Éternel? Jusqu'à quand allez-vous chanter à l'Éternel? Vous allez chanter ici sur terre et là, arrivé au ciel, vous allez continuer votre chanson. Je n'ai pas entendu votre amen. Alors je chanterai sans cesse ton nom. Voyons ceci. En accomplissant chaque jour mes vœux. En accomplissant chaque jour mes vœux. Combien nos vœux sont importants devant le Seigneur. Voyons. Jonas, chapitre 2, Jonas 2, verset 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Rappelez-vous, il était dans le ventre du poisson, il était dans le ventre de la baleine qui l'avait englouti. Rappelez-vous, il respirait au-dedans du poisson avec difficulté. Rappelez-vous, il n'y a pas de nourriture à manger là-bas. Il était affamé et les parties molles du poisson l'environnaient. Mais dans cet état, moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Il dit, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. J'accomplirai les vœux que j'ai fait. Il y a un vœu du prophète. Et Jonas était un prophète. En tant que prophète, il a fait un vœu au Seigneur. En tant que prédicateur, pasteur, chaque prédicateur, chaque ministre, chaque pasteur doit faire un vœu au Seigneur. Que j'irai là où tu veux que j'aille. Je ferai ce que tu veux que je fasse. Je prêcherai ce que tu me dis de prêcher. Je n'aurai pas peur de personne, je n'aurai pas peur d'une ville, même de Ninive, où que tu m'envoies, j'irai. C'est le vœu du prophète. Et puis, le défi lui est arrivé, va à Ninive et dis-leur que encore 40 jours et Ninive est détruite. Il avait peur, il a oublié ses vœux. C'est pourquoi, connaissez bien l'histoire. Le poisson l'a englouti. Mais maintenant, c'est dit que Dieu, il dit, je reviens pour honorer mes vœux et accomplir mon engagement et faire ce que je dois faire. Alors, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Voyons ce qui suit au verset 11. L'Éternel parla au poisson. C'était Jonas qui retardait sa délivrance. C'était Jonas qui retardait sa liberté, sa libération, mais dès qu'il a reconnu, il dit, le salut vient de l'Éternel, que j'accomplirai les vœux que j'ai faits. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Quel que soit ce qui t'a englouti, cela va te vomir ce jour. Quel que soit ce qui a englouti ton succès, ce qui a englouti ta joie, ce qui a englouti ta liberté, que ce soit ce qui a englouti ton progrès en Christ, tout va te vomir ce jour au nom de Jésus-Christ. Et tu vas venir à la terre et tu vas commencer par courir. Où es-tu? Je vais courir.
Et puis, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Une nouvelle vie te sera donnée. Tu auras une nouvelle force. Tu auras une nouvelle puissance. Chaque chaîne qui t'a lié, brisée ce jour. Tout lien qui t'a ligoté, brisée ce jour. Parce que maintenant, il y a une nouvelle vie que tu as et tu vas expérimenter et tu vas exprimer cette nouvelle vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons au deuxième point maintenant. C'est la possession personnelle de la puissance venant du Très-Haut. La possession personnelle de la puissance venant du Dieu Très-Haut. Nous allons au psaume 62. Psaume 62, verset 2. Verset 2 dit, oui. Il n'y a pas de prétexte. Il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas de dissimulation. Il n'y a rien qui doute de quelque chose. Oui, du très fond de mon cœur. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Saül ne va pas m'attraper. Saül ne va pas m'attraper. Il faut le dire pour toi-même. Saül ne va pas m'attraper. Les ennemis ne vont pas m'attraper. La pandémie ne va pas m'attraper. Le mal ne va pas taper à ma porte. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Voyons le verset 3. Oui, c'est lui qui est mon rocher. Je n'ai pas de gris. C'est lui qui est mon rocher. Je n'ai pas de talisman. Oui, c'est lui qui est mon rocher. Je n'ai pas de dépendance occulte. Oui, c'est lui qui est mon rocher. Je n'ai pas un papa, une maman quelque part qui doit passer quelque chose sur moi. Oui, lui seul, le Dieu du ciel est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, il va te défendre. Et le grand avocat et le grand juge qui ne perd jamais de bataille, il va te défendre. De l'accusation de Satan, il va te défendre. De l'accusation des menteurs, il va te délivrer. De l'accusation des transgressions passées, il t'en défendra. Parce que ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Vous ne chancellerez pas au nom de Jésus. Il est mon rocher, il est mon salut. Il est mon rocher, il est mon salut. Comment est-il devenu notre salut aujourd'hui? Comment recevons-nous, comment avons-nous le salut du Seigneur aujourd'hui? Comment cela peut être rendu disponible à quelqu'un si quelqu'un te demande ce salut dont tu parles là? Tu en as, je peux le voir dans ta vie, je peux l'entendre de ta voix, je peux le voir de tel que tu te présentes. Comment je peux avoir le même salut que tu as? Afin que ce rocher soit aussi mon rocher. On va au Romains 10. Romains chapitre 10. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu vas confesser de ta bouche, parce que c'est ce que j'ai fait, j'ai confessé de ma bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dis à ton voisin, c'est ainsi qu'il peut être sauvé. Dis à tes voisins, c'est tes amis, de ta bouche tu confesses, de ton cœur tu crois que Christ est mort pour nos péchés à la croix de Calvaire et le Père Dieu au ciel a mis sur lui l'iniquité de nous tous. Tout péché que tu as commis depuis que tu es né, que tu l'aies commis intentionnellement ou par imprudence ou par inadvertance, c'est dit que toutes nos iniquités sont mises sur Christ. À cause de cela maintenant, tu acceptes cela,
que c'est pour toi que Christ est mort et qu'il est ressuscité. Et tu seras sauvé. Donne-moi un bon amen. Voilà le verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Comme tu crois, tes péchés sont transférés à Christ, ton porteur de péché, et sa justice est transférée à toi. Et tu y crois, tu crois cela de ton cœur. La puissance pour mener une vie de justice sera ta portion d'emblée. Et tu dis que j'étais une auparavant, j'étais pécheur, maintenant je suis chrétien, une nouvelle créature en Christ. Auparavant, j'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais faible, lorsque les tentations viennent, oh, je succombe à cela. Mais maintenant, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Il faut le dire encore, je suis fort. Parce que il a transféré sa justice à toi. C'est par la bouche que la confession est faite. Et le salut là sera dans ta vie. Partout où tu te montres, tu te vois, tu vas manifester le salut au nom de Jésus. Nous retournons au psaume 62, verset 6. Oui, mon âme. Prouve le psalmiste qui chaque fois dit mon âme. Voyez, des gens qui disent que moi, je n'ai pas de partenaire de prière. Parle à ton âme. Que on peut dire que donne à toi-même le soliloque ou bien le monologue avant que tu ne sortes de la maison. Si tu te vois très déprimé, fatigué, abattu, découragé, et ton âme au-dedans de toi, c'est comme ton âme va sortir de ton âme. Tu parles à ton âme, tu dis, mon âme, réveille-toi. Mon âme, Dieu est mon rocher. Mon âme, Dieu est mon salut. Mon âme, réveille-toi. Réveille-toi, espère en Dieu seul. Comme tu parles à toi-même, quel que soit ce que les gens te disent, n'aura pas de place en toi au nom de Jésus-Christ. Toi et Christ, vous aurez le dernier mot. Je dis, toi et Christ, vous aurez le dernier mot. Le Seigneur parle à ton âme et tu prends la parole que le Seigneur t'adresse à ton âme et tu adresses cela à toi-même. Le Seigneur dit que je suis fort, mon âme, tu es forte. Le Seigneur dit que je suis guéri, par ses maîtrises, je suis guéri, mon corps, tu es guéri. Vous ne répétez cela pour vous-même, moi je suis guéri. Toute bonne chose que le Seigneur a déclaré sur toi, tu prononces ça sur toi-même. Mon âme, psaume 62, verset 6, oui mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui a l'espérance? Y a-t-il quelqu'un là-bas qui a l'espérance? Cette espérance viendra. Cette espérance viendra du ciel. L'espérance venant de Dieu, l'espérance venant du trône. Et cette espérance-là ne sera pas anéantie au nom de Jésus-Christ. Voilà le verset 7 qui nous dit, oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Je ne chancellerai pas. Où est le frère? Où est la sœur? Je ne chancellerai pas. Lorsque tu te tiens, il n'y a rien qui puisse te mouvoir. Lorsque tu loues le Seigneur, il n'y a rien qui puisse te chanceler. Ta confiance en Dieu, ton témoignage de sa bonté dans ta vie, il n'y a rien qui puisse te vaciller. Et les gens qui croient que, oui, je vais lui dire quelque chose. Et je sais, je connais son secret. Je connais son secret. Et les choses qu'elle a faites 20 ans passés, 30 ans passés, je vais venir, et je vais crever son ballon. Et puis, il vient dire cela. Quelle que soit la chose là que la personne dit, tous tes péchés du passé qui sont pardonnés, Dieu les a mis en profondeur de la mer et cela ne va plus se rappeler contre toi au nom de Jésus-Christ.
Je ne te condamne plus non plus. Va et ne pêche plus. Et si Christ ne t'a pas condamné, si le Père ne te condamne pas, si la grâce de Dieu est venue dans ta vie, pas de condamnation dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas chancelier. Je ne serai pas chancelier. Je ne chancelerai pas. Nous ne chancelerons pas. Parce que notre espérance provient de lui. Verset 8. Sur Dieu repose mon salut, pas mon sentiment. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Mon refuge est en Dieu. Le vengeur de sang ne touchera pas votre vie. Verset 9. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Lorsque les choses sont dures, lorsque les choses sont difficiles, lorsque les nuages se rassemblent dans les cieux, lorsqu'il y a les ténèbres partout, là où tu ne sais pas où aller, le Seigneur connaît la voie, il connaît ta vie. Confiez-vous en lui. En tout temps, combien de fois allez-vous vous confier en lui? Quand allez-vous vous confier en lui? Combien de fois allez-vous vous confier en lui? Lorsque vous êtes malade, confiez-vous à l'Éternel. Lorsque vous êtes opprimé, confiez-vous à l'Éternel. Lorsque vous avez les défis, confiez-vous à l'Éternel. Lorsque les eaux vous submergent, confiez-vous à l'Éternel. Lorsque cela paraît qu'il y a la douleur dans tout ton corps, confie-toi à l'Éternel. Il est ton guérisseur, Jéhovah Rapha. Il va te guérir au nom de Jésus-Christ. En tout temps, peuple, confiez-vous à l'Éternel. Répandez vos cœurs en sa présence. Répandez vos cœurs en sa présence. Comment vous faites cela? C'est comme vous le faites lorsque vous êtes allé à un ennemi, à un ami. Vous commencez à parler à l'ami. Vous épanchez votre cœur. Vous parlez, vous révélez tout votre cœur à votre ami. Donc venez cela, venez maintenant et faites cela au Seigneur. Répandez vos cœurs, votre cœur en sa présence. Comment répandez votre cœur? Lorsque tu vois une maman, une mère qui t'aime, ou bien un père qui t'aime, et tu vois ton mari, et puis tu gardes la chose au-dedans, tu gardes cela depuis le bureau, ou bien de ta belle famille, comme tu vois la personne, et tu parles, tu répands ton cœur à la personne, transfère cela au Seigneur, et tu viens devant le Seigneur aura pitié de toi, il aura compassion de toi. Le Seigneur va prendre soin de toi et répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge et il va t'exaucer. Il exaucera ta prière. Psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière. Votre vie va briller. Toutes ces ténèbres vont se dissiper. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Verset 4. 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie, comme de jour de votre vie, toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Voilà le verset 10. Car mon père et ma mère m'abandonnent, lorsque les gens les plus chers de la terre m'abandonnent, lorsque les personnes les plus précieuses, mes connaissances les plus chères dans ma vie, je ne peux plus les voir. Et je me trouve dans le problème. Tous m'ont abandonné. Mais gloire à Dieu, il y a quelqu'un plus élevé qu'eux. Il y a quelqu'un plus élevé qu'un père, qu'une mère. Quelqu'un plus élevé que les amis, que les voisins. Mais l'Éternel me recueillera. L'Éternel te recueillera. Il essuiera ses larmes de tes yeux. Il va ôter cette angoisse de ton cœur.
il va ôter cette douleur, ce chagrin de ton cœur. L'Éternel te recueillera au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur te recueillera. Il va pourvoir à tes besoins. Il va te donner complètement à toi. Ta vie va se relever de la vallée au nom de Jésus-Christ. Voilà le verset 14. Espère en l'Éternel. C'est le secret. Le Seigneur va te relever. Le Seigneur t'attend. Et le Seigneur te cherche. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi. Le courage va revenir en toi. Tu auras encore l'épine dorsale. Tu auras encore l'énergie. Et la force pour mener une nouvelle vie reviendra. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Votre temps est venu. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Une nouvelle vie va venir. Le réveil va venir. Le renouvellement va venir. La régénération, la réformation va venir. Toute faiblesse va s'évaporer de ta vie au nom de Jésus-Christ. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Qui sont ces gens-là? Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Je dis, ils courent et ne se lassent point. Je me sens comme si je dois courir. J'ai envie de courir. Et comme tu es assis, tu dis, est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux avancer? Je veux seulement rester ici jusqu'à ce que Christ vienne. Alors, je suis en train de bricoler la vie. Maintenant, j'ai envie de courir. La force et la puissance pour courir vont rentrer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Un désir positif pour courir, une passion pour courir, un désir pour courir, tu vas bien courir. Tu vas gravir toute montagne. Tu vas traverser tout océan. Et tout ce qui te décourage, tous les jours seront brisés dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et la passion pour courir, le Seigneur va te l'accorder une fois encore au nom de Jésus-Christ. Il court et ne se lasse point. Il marche, dites-le moi, et ne se fatigue point. Mais je vous réserve un verset que je veux que vous souligniez dans votre Bible. Et vous allez commencer à veiller sur son accomplissement. Est-ce que vous allez le faire? Psaume 138. Soulignez cela dans la Bible. Et vous allez veiller sur son accomplissement parce que cette bonne chose sera accomplie dans votre vie. Psaume 138, verset 8. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel agira en ma faveur. Dis cela, l'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel fera ce qui me concerne. Toutes choses rugueuse sera redressée dans ta vie. Tout échec sera transformé en succès. La défaite deviendra la conquête, la victoire. Tu seras un héros dans ta génération. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel perfectionnera ce qui me concerne. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. L'Éternel ne t'abandonnera pas. Ses promesses seront accomplies dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Allons au troisième point. Troisième point. Notre louange est perpétuelle en progressant vers l'ultime meilleur.
Nous allons au psaume 63. Psaume 63, verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Voilà le verset 2, verset 3. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Vous verrez la puissance et la gloire de Dieu. Voilà le verset 4. 4. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Verset 5. Mon âme sera rassasiée. Verset 5. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Vous avez vu que mes lèvres célèbrent tes louanges. Certaines personnes ne connaissent pas la puissance de la louange et ils ont oublié Josué et les enfants d'Israël qui étaient sur le point de posséder leur possession et entrer dans la terre promise. Vous allez posséder votre possession. Vous allez entrer dans la terre promise. Mais il y avait les murailles de Jéricho qui les auraient empêchés. Le Seigneur a dit, ne parlez pas, ne dis rien. Faites le contour de Jéricho une fois le jour. Ne dites rien de négatif. Il ne faut pas dire comment ces murailles vont s'écouler. Il ne faut pas dire comment cette montagne va s'aplatir. Il ne faut pas dire comment tu vas posséder. Il ne faut pas dire qu'après tout, ces murailles sont plus élevées que ce qu'on avait vu. On n'avait rien vu de pareil. Je n'ai rien vu de aussi terrible que ceci. Aussi terrible que ceci. Ne dites rien. Mais le septième jour, faites le contour. Cette fois, c'est pour la perfection. Continuez. La perfection vient dans votre vie. Faites le tour. La perfection vient. Et les murailles sont encore debout. Et criez Alléluia. Criez gloire à Dieu. Vous ne chantez pas. Que criez non. Criez Alléluia. Que criez gloire à Dieu. Les louanges de Dieu étaient dans leur bouche avant que la muraille ne s'écroule. Quand vous louez le Seigneur, vous réveillez le matin et vous sentez la douleur au dos là-bas. Lorsque la douleur là, que gloire à Dieu, que tout le monde dise Alléluia. Lorsque tu loues le Seigneur, toutes ces douleurs vont disparaître. Quelque chose se passe, on l'appelle pandémie, ça touche ici, ça touche là-bas. Ne dis rien, ne dis pas que cela va venir à moi, cela ne va pas venir à toi. Il faut louer le Seigneur, il faut louer le Seigneur, que les louanges du Seigneur soient dans ta bouche et la pandémie ne va jamais taper à ta porte. Et Paul et Silas, vous voyez? Ouais, ils étaient encore dans les chaînes, leurs pieds, leurs mains dans les chaînes, ils étaient dans le geôle, dans la prison, tout était noir. Et Paul et Silas, dans cette condition, au lieu de dire pourquoi ceci, au lieu, voici le résultat de la prédication de l'évangile, est-ce le résultat de faire du bien? Nous avons chassé le démon de cette demoiselle et voici le résultat. Oh Dieu, où es-tu? Ils ne se sont pas plaints. Je ne vais pas me plaindre. Ils n'ont pas murmuré, je ne vais pas murmurer. Et puis, Paul et Silas, et avec la foi, ils ont chanté des louanges du Seigneur. Lorsqu'ils chantaient, les fondements de la prison, tous étaient secoués. Les fondements de ta prison vont secouer. Cela secoue déjà. Et tous les liens sur eux étaient rompus. Lorsqu'ils chantaient des louanges du Seigneur et leurs portes étaient ouvertes. Les portes ouvertes devant vous. Je dis les portes ouvertes devant toi. Là où il n'y avait pas d'issue, vous allez trouver la voie là-bas. Là où il n'y avait pas de progrès, vous allez retrouver le progrès là-bas. Et vous allez entrer et vous allez posséder votre possession. Et le matin, c'est acte 16. Et
le magistrat qui les a emprisonnés. Et il n'y a personne qui soit allé là-bas leur donner de l'argent. Ou bien il n'y a personne là-bas. Mais le ciel les a touchés. Le cœur du roi est dans la main de l'Éternel. Il le tue partout où il veut. Ce magistrat, les huissiers, le magistrat a dit, va dire à ces hommes-là qu'ils sortent. Laissez-les aller. Laissez-les aller. Laissez-les aller. Et Paul, l'apôtre a dit que, va leur dire là-bas, va leur dire, de venir nous libérer ici. Regardez cela, la victoire, il était plus que vainqueur. Après avoir chanté et loué le Seigneur, il était plus que vainqueur. Faut plus pleurer encore, loue le Seigneur. Faut plus verser des larmes, loue le Seigneur. Faut plus être angoissé, loue le Seigneur. Si tu sais comment chanter, faut chanter au Seigneur. Chante un solo au Seigneur, les anges vont se joindre à toi et tes portes de prison vont s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Je vais au psaume 63, verset 6. Psaume 63, verset 6. Cela nous dit, « Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Votre année de satisfaction est venue. Votre année de promesses accomplies est venue. Il en sera ainsi. » Je dis, dans votre vie, dans votre famille, il en sera ainsi. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Verset 7 dit, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Verset 8, car tu es mon secours, il sera ton secours, il sera votre support, il sera votre pourvoyeur, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Où est la personne qui se réjouit là-bas? Où est la personne qui se réjouit là-bas? Et ta joie, il n'y a rien qui puisse l'ôter de toi au nom de Jésus-Christ. Et le verset 9 nous dit, mon âme est attachée à toi. Je veux plus de Dieu. Je veux plus de la grâce de Dieu. Plus de la force de Dieu. Plus de la puissance de Dieu. Plus de la confiance en Dieu. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Ta droite me soutient. Et puis c'est ainsi que tu continues de faire du bien et la bonté ne va jamais cesser dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Galates, chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, toutes les bonnes choses que vous faites dans le passé, rappelez-vous maintenant comme vous êtes maintenant né de nouveau. Même avant que vous naissiez de nouveau, Dieu vous a donné cette bonne nature. Et après que vous êtes maintenant né de nouveau, vous aimez aider les gens. Vous aimez faire le bien. Et vous donnez à l'église, vous entendez la parole de Dieu. Et il y a quelque chose dans ton cœur, dans votre cœur, que je dois déposer quelque chose de bon ici. Je dois semer quelque chose de bon là-bas. Je dois édifier quelqu'un. Ne soyez pas fatigué. Qu'est-ce que ce qui se passe, votre récompense viendra. Toute bonne chose que vous avez semée, vous allez moissonner selon le nom de Jésus-Christ. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Moi, je vais moissonner, je ne relâcherai pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. C'est pourquoi le Seigneur nous a élevés. C'est pourquoi il nous a sauvés, c'est pourquoi il est notre rocher, c'est pourquoi il nous a élevés à un niveau très élevé et le rocher est qui est plus élevé que nous et pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Et puis vous allez votre chemin, vous réjouissant, en vous réjouissant dans le Seigneur. Toutes bonnes choses pour lesquelles vous avez prié, les bonnes choses que nous
pour lesquelles nous dirigeants, nous prions. Les choses, les bonnes choses pour lesquelles je prie pour vous, ces choses seront accomplies. Et essuyez vos larmes, réjouissez-vous en l'Éternel. Psaume 63, verset... Psaume 63, verset 12. Verset 12. Et le roi se réjouira en Dieu. Et le roi se réjouira en Dieu. Dit que oui, je suis le Seigneur lorsque mon cœur est abattu. Alors conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Maintenant, je sais quoi faire lorsque les bénédictions viennent, lorsque les promesses doivent s'accomplir. Alors, tout ce que je dois faire maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me réjouir. Quelqu'un l'a dit, je dois me réjouir. Vous allez vous réjouir dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Luc 20 nous dit, cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous. Alors réjouissez-vous du fait que Dieu vous appelle son fils. Réjouissez-vous du fait que vos péchés sont pardonnés. Réjouissez-vous du fait que votre nom est écrit dans le livre de vie au ciel. Réjouissez-vous parce que votre nom est écrit au ciel. Aux Philippiens. Allons aux Philippiens 4. Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. À l'église, réjouissez-vous dans le Seigneur. À la maison, réjouissez-vous dans le Seigneur. En chemin faisant, réjouissez-vous dans le Seigneur. Le matin, réjouissez-vous dans le Seigneur. La nuit, avant de dormir, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Allez-vous vous réjouir? Faut plus pleurer. Allez-vous vous réjouir? Faut plus verser des larmes. Allez-vous vous réjouir? Et en vous réjouissant dans le Seigneur, de bonnes choses vous accompagneront tous les jours de votre vie au nom de Jésus-Christ. Premier Thessaloniciens 5. Premier Thessaloniciens 5, 16. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Verset 17. 17 dit, priez sans cesse. Vous réjouissez pour toujours et puis vous priez sans cesse. Et le verset 18 nous dit, rendez grâce en toutes choses. Pas de questionnement en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Pourquoi je suis Paul, un grand apôtre, dans ce gouffre? Rendez grâce en toutes choses. Pourquoi moi, Pierre, un grand apôtre, je suis ici, deux soldats à côté de moi, je ne peux pas me bouger, même aller aux toilettes, alors ils doivent me suivre, pas de plainte, réjouis-toi et ton miracle viendra. Et les anges viendront du ciel et vont délier ces chaînes pour vous faire sortir. Ces portes d'airain vont s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, nous allons prier. Comme vous allez venir au Seigneur en prière, il ne faut pas vous plaindre, il ne faut pas murmurer, il ne faut pas questionner. Vous priez seulement, Seigneur, conduis-moi sur le rocher que je ne puisse atteindre. Et tout bon désir, l'attente de ta vie sera accomplie au nom de Jésus. Je vois les bénédictions de Dieu venir sur vous maintenant. Quand vous vous levez, tenez-vous debout maintenant. Je vois la bonté de Dieu venir sur votre vie. Je vous vois réjoui. Comme vous louez le Seigneur, je vois la stabilité, je vois la sécurité, je vois le Seigneur, je vois la défense, je vois le refuge, je vois que toutes les prières que vous avez faites toutes ces années, je vois les choses se répandre sur vous et vous débordent une effusion des bénédictions de Dieu sur ta vie. Et tu vas te réjouir comme tu loues le Seigneur. Tu vas donner des témoignages au nom de Jésus-Christ. Ouvrez la bouche maintenant et parle au Seigneur.
du très fond de votre cœur,